On va parler aujourd'hui d'un débat, d'un sujet qui est celui de l'avenir des jeunes dans les quartiers, dans les territoires, pardon, c'est important pour le débat, dans les territoires populaires. Voilà. Alors, avec nous, pour nous accompagner tout au long de ce débat, on a quatre intervenants que je vais présenter dans quelques instants. Mais avant, j'aimerais vous rappeler un peu la forme de ce débat, qui est une forme un peu particulière. Je ne sais pas si certains l'ont déjà expérimenté l'année dernière, puisqu'on est sur un débat dit inversé. Voilà. Ce qui change pas mal de choses, puisque une fois les intervenants présentés et une fois le sujet rappelé, je donnerai la parole non pas aux intervenants comme on fait généralement, mais à la salle. Voilà, vous pourrez soit donner une remarque, poser des questions, et ensuite les intervenants y répondront. Donc voilà, ça sera un peu un échange dans ce style-là. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Je ne sais pas si qui était là l'an dernier au Festival des Idées. Il y en a quelques-uns qui. Bon voilà, vous êtes un certain nombre à connaître un peu l'exercice, donc vous serez ceux qui probablement interviendraient en premier. Vous avez une responsabilité du coup ce matin. Et ce n'est pas parce qu'il est 9h qu'on peut se dérober à ses responsabilités. Alors, mes intervenants, Christopher Béchereau, d'abord, qui... alors voilà, vous me dites si je dis des erreurs, parce que je le fais sans notes, mais qui est blogueur au Trapiblog, voilà, habitant de Trappes, jeune diplômé d'un master de sociologie, puisque c'était hier. Voilà. Félicitations encore. Et tu as notamment écrit pour le Trapiblog, et ça, on en reviendra peut-être tout à l'heure, mais un article sur les livreurs à Trappes, voilà, et sur le quotidien des livreurs, de jeunes livreurs justement, puisque, voilà, pour tes enquêter en l'occurrence, qui est très intéressant, que je vous invite à découvrir sur le site à la fois du Trapiblog, et aussi j'ai vu sur le site d'Alternative Économique, je ne sais pas si c'est le même article ou s'il a été modifié, mais enfin voilà. On a ensuite à ma gauche François Lamy, qui est ancien ministre de la Ville, et, ministre en 2012, c'est ça, hein, de 2012 à quoi, 2014, jusqu'à Manuel Valls. Je commenterai, bon, j'ai un devoir de neutralité. Donc, ministre de la Ville, vous avez été aussi, notamment, je ne vais pas citer toutes vos fonctions, vous avez notamment été député de l'Essonne, et vous avez beaucoup travaillé sur ces questions, à la fois, évidemment, de politique de la ville, mais aussi sur des questions en lien, voilà, vous me parliez hier des emplois d'avenir, etc. Donc, on aura l'occasion sans doute d'y revenir, parce que je pense que c'est un sujet qui est important quand on parle de l'avenir des jeunes dans les territoires populaires. Et puis, ensuite, je présenterai Fabien à l'arrivée, hein, je n'ai pas oublié. Elsa Faucillon, vous êtes députée PCF des Hauts-de-Seine. Alors, tout le monde n'est pas familier ici, j'imagine, de la géographie de l'Île-de-France. Et quand on pense aux Hauts-de-Seine, on pense d'abord à des territoires plutôt aisés. Mais dans les Hauts-de-Seine, il y a aussi des territoires populaires. C'est le cas de la première circonscription des Hauts-de-Seine, hein, donc avec, si je ne dis pas de bêtises, le nord, là pour le coup, des Hauts-de-Seine qui voisine la Seine-Saint-Denis. Vous avez aussi beaucoup travaillé sur des questions d'éducation, donc ça va là pour le coup nous intéresser, sur les questions aussi de mineurs isolés, non accompagnés. Donc voilà, ça c'est peut-être aussi des questions sur lesquelles on aura l'occasion de revenir. Et puis vous avez aussi, je ne l'ai pas dit, si je ne dis pas de bêtises, vous avez été aussi conseillère municipale, hein, c'est ça? Donc là aussi, dans une ville où il y avait voilà, les problématiques qui peuvent nous intéresser aujourd'hui. Enfin, Fabien Truong, qui est avec nous depuis Londres. Je ne sais pas s'il a un retour son nickel. Bonjour, vous m'entendez ou... Eh ben, oui, oui, parfait. Ouais, sans micro avec lingette, donc c'est très pratique en plus. Donc Fabien, qui est sociologue à l'Université Paris 8, qui a notamment enseigné comme professeur de lycée, hein, là c'est pareil, si je dis une bêtise, faut me reprendre, en Seine-Saint-Denis, donc il a une expérience aussi de terrain, j'allais dire, qui a écrit un certain nombre de bouquins, notamment le dernier, Loyauté radicale, voilà, et puis un autre bouquin publié juste avant, si je ne dis pas de bêtises là aussi, alors j'ai le sou-
c'est jeunesse française, bac plus 5, made in banlieue, si je, voilà, si je n'écorche pas le titre. Donc, il y a beaucoup travaillé sur des questions là aussi d'éducation dans des territoires populaires, qui a notamment suivi ses anciens élèves, de quand des élèves qu'il avait pu avoir quand il était professeur au lycée et qui les a suivis ensuite, et donc qui raconte dans ce livre un peu leur trajectoire. Donc, peut-être qu'on aura aussi l'occasion d'y revenir. Alors, j'ai dit tout à l'heure quartier populaire au lieu de dire territoire populaire, je m'explique, parce que c'est vrai qu'on a un panel d'intervenants plutôt orienté quartier populaire, et en même temps, les quartiers populaires sont certes des territoires populaires, mais c'est pas les seuls. Donc si certains ont envie aussi de dire des choses sur d'autres types de territoires populaires, bah évidemment, ça peut être aussi l'occasion d'intervenir à ce sujet. Voilà. Je crois que j'en ai fini là. Donc, si certains ont des questions, des remarques pour ouvrir, je sais que la première est toujours un peu plus difficile que les 10 qui viennent ensuite. Mais bon. Attendez, je vais vous amener un micro quand même. Oui, mais je suis pas sûr que si vous parlez assez fort, est-ce que Fabien entend ? Non, il n'entend pas. Donc, je vais vous passer un micro. Alors. Et en plus, c'est l'occasion de tester les lingettes. J'ai acheté le journal local. Ça y est, c'est bon ? J'ai acheté le journal local aujourd'hui. J'ai acheté le journal local aujourd'hui et j'ai vu aucune allusion au Festival des idées. Je trouve ça extraordinaire. Il faudra faire des réclamations au journal du centre, mais ça, c'est un autre problème. Oui, non, mais quelle relation, par exemple, un événement comme ça a, justement, dans le territoire ? Et sur un sujet comme celui-là dont on vient de parler ? C'est ça, je veux dire, comment est-ce qu'on va attirer des jeunes s'il n'y a pas de publicité ? Et s'il n'y a pas de compte-rendu non plus, donc personne ne le saura jamais, sinon toujours les mêmes. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut intervenir, compléter. Alors, je suis obligé de repasser un coup de lingette. Mais... est-ce que quelqu'un d'autre a une remarque, une question ? Ou est-ce qu'on démarre le débat comme ça ? Bon, alors, effectivement... Effectivement, bon, là, il faudra faire une réclamation journal du centre, mais ce qui est vrai, c'est qu'on est ici aussi dans un territoire populaire et qu'on aurait pu attendre d'avoir peut-être plus de jeunes, y compris des territoires populaires locaux. Bon, c'est une question aussi un peu compliquée. C'est la question aussi qui est posée de peut-être de la parole de ces jeunes dans les territoires populaires. Christopher, quand on en a parlé, quand on a préparé un peu ce débat, tu me disais, voilà, le problème, c'est que les jeunes des territoires populaires, en tout cas là, pour le coup, tu me parlais des quartiers, mais c'est un peu le même registre, on ne les entend pas dans le débat public. Je ne sais pas si je peux te laisser réagir à ça, mais... Alors, c'est vrai qu'en fin de compte, la question de la communication, elle est vraiment centrale, puisque quand on arrive dans ces quartiers, ils se sentent avant même qu'on leur donne la parole, ils se sentent pas écoutés et ils ont l'impression que on va leur mettre quelque chose dans la tête, et c'est vraiment la question du support un peu d'information, c'est-à-dire que aujourd'hui on est par exemple, vous parlez des journaux papier. Et le support papier n'est pas approprié à ce type de public. Donc, ce serait comment justement leur donner la parole et faire en sorte que cette parole passe par des médias qui comprennent ou par des biais qui comprennent. Alors, les biais, c'est on voit souvent dans les quartiers populaires, il y a eu cette question des éducateurs. On parlait souvent d'éducateurs de rue. Donc, par rapport aux territoires ruraux, je ne sais pas si c'est des démarches aussi qui existent, qui vont justement chercher les jeunes là où ils sont. Je me rappelle encore d'une discussion avec une personne qui est dans cette salle, d'ailleurs, qui me parlait un peu de ces arrêts de bus qu'il y avait dans les territoires ruraux, des espaces où justement les jeunes de ces territoires pouvaient se retrouver. Et c'est des espaces où justement ces jeunes-là communiquent entre eux. Et c'est ces espaces qu'il faudrait sans doute investir et je pense essayer d'identifier
pour justement apporter une communication qui correspond au lieu et au support qu'ils ont l'habitude de côtoyer. Donc moi je pense que c'est par rapport à la parole qu'il aurait donnée, c'est vraiment le réfléchir aux moyens, au support de la communication qui est vraiment important. Donc ça doit venir d'un échange et surtout d'un pas. Et je pense que le pas, il est à faire aussi dans les deux sens. Mais dans un premier temps, quand on sait que les médias viennent, vont souvent dans une seule direction, c'est-à-dire qu'on prend l'information plus qu'on la donne, c'est justement ce moyen-là qu'il faudrait penser. Justement, alors je vais prendre la question, mais puisque tu es sur la communication, sur les médias, toi tu écris dans un média qui s'appelle le Trafiblog. Est-ce que ce média a une particularité est-ce qu'il arrive à toucher justement des jeunes? Est-ce que vous arrivez à avoir un public différent, par exemple pour le Trafiblog? Bon, je pense aussi au Bondiblog ou à d'autres, mais est-ce que ça... Alors, par rapport à ce média qui est le Trafiblog, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le dialogue va se faire directement à l'intérieur du quartier. Ce qui fait que lors de l'interview, au moment où on échange avec les usagers, on a l'occasion de leur parler de ce média qui leur appartient et qui doit leur appartenir. Et dans ces échanges-là, c'est l'occasion pour eux de donner une certaine parole libérée. Donc voilà, moi j'en reviens aussi un peu à cet article que j'ai écrit sur les livreurs. Et c'est un support que personnellement je trouve intéressant sociologiquement pour que des personnes qui sont extérieures au quartier puissent intervenir et rentrer justement dans ces questionnements. Mais en dehors de ça, je peux vous assurer que c'est un média qui ne les concerne pas. Donc même j'ai eu l'occasion de leur dire allez le lire, ils préfèrent que je leur raconte, que je leur dise l'expérience que j'ai eue et l'expérience que procure un article, mais ils vont, s'auto-exclure ou ne se désengager de cette démarche-là d'aller vers le média papier ou de lecture, on va dire. Voilà la complexité que ça peut avoir. Alors, il y a plusieurs questions. J'en ai une, deux, trois. Alors, bon. Rapidement, parce que... Bonjour. J'interviens vite parce que bon, je suis le directeur du Bazar Café, donc je m'occupe de ce lieu. Mais je suis venu ici parce que c'est un sujet qui m'importe beaucoup. Je suis arrivé à Bondy Nord en 1962. J'entends donner la parole. Je préférerais entendre laisser la parole, donner les moyens de l'expression. Parce qu'en réalité, le problème qui se pose, c'est que on dit les jeunes. C'est très multiple, un jeune. On ne leur donne pas nécessairement les moyens, on dirait même syntaxiques et lexicaux, de s'exprimer. Déjà, c'est la première chose. Et ça passe par l'éducation, et ça passe par la culture, mais ça passe aussi par la mixité. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que moi, c'est parce que je suis arrivé à Bondy Nord, en 62, c'était effectivement un quartier, comme on dit, populaire, c'est-à-dire un quartier ouvrier. C'est-à-dire qu'il y avait des Portugais, des gens d'Afrique du Nord, pieds noirs ou maghrébins, il y avait des Italiens, il y avait des Antillais comme moi, il y avait quelques Africains, des gens de toute origine. On ne se pensait pas en termes d'ethnie, ni en termes de race, de couleur. On ne se pensait pas, on n'a jamais pensé comme ça. Par contre, on pensait en termes de projet d'avenir, de penser que va devenir le monde, qu'est-ce qu'on va faire du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a créé des ghettos où on se pense en termes d'ethnie, en termes de couleur, en termes de position sociale, etc. Ce n'était pas le cas. Et si je suis ce que je suis,
si j'ai réussi à avoir mon doctorat de philosophie à la Sorbonne, si je suis écrivain, si j'étais directeur de théâtre et de spectacle, si je suis ici, sans, je touche à rien ici. Mais c'est parce que à l'époque, il y avait la possibilité. J'avais mes amis qui étaient aussi fils d'ingénieurs, fils de profession libérale, etc., que je rencontrais, qui m'apportaient leur vocabulaire, qui m'apportaient leur savoir. C'était pas que l'école. C'était la capacité de croisement. Et de croisement aussi d'horizon. Parce que moi, j'apportais ma créolité, enfin, ce que je pensais être ma créolité, c'est-à-dire pas grand-chose en réalité, c'est avoir mon imaginaire venant des Antilles. Et je faisais rêver les autres qui venaient du Morvan et qui m'apportaient leur imaginaire morvandu ou breton. On croisait les choses. On croisait nos rêves. Et ça, ça a totalement disparu. Ce qui a aussi disparu, et ça, c'est un gros problème, c'est qu'il n'y a plus de présence réelle du politique. Il n'y a plus de présence réelle du politique. Nous avions les jeunesses communistes, par exemple, nous, à côté du curé, où on faisait où on allait draguer les filles dans les sous-sols. Non, mais c'est très important. Et il y avait des langages qui se croisaient, des pensées qui se croisaient. On faisait nos choix réels, enfin choix si on pouvait. Et il y avait aussi autre chose qui, pour moi, était important, mais qui me semble être une chose fondamentale. Il y avait, par exemple, en plein Bondy Nord, un cinéma d'art et essai qui était dirigé par quelqu'un qui était critique du cinéma, des cahiers du cinéma. Vous savez, il y a un film que, en fait, tout le monde dit il est chouette, mais j'aime pas tellement, c'est La Haine, parce qu'il est faux. En réalité, ce qui fait la violence dans les banlieues, c'est l'ennui. C'est l'ennui, c'est le temps qui s'étire et on ne sait pas quoi faire. Et d'un seul coup, ça monte et on explose. Vous voyez, c'est le temps, la gestion du temps. Et ce temps-là, nous est structuré à la fois par la culture et l'art, par la possibilité de rencontrer les autres. Parce que lorsqu'on est tous ensemble, on n'a rien à se dire en réalité. On n'a rien à se dire. On s'ennuie. Ou alors on pense au football. Je vais continuer. Non, mais c'est juste. Voilà. Bien sûr. Parce que mon intervention est un peu longue, mais elle sera unique et je dois partir. Voilà. On parle de symbole. Mais qu'est-ce que c'est qu'un symbole? Un symbole, c'est étymologiquement une pièce de monnaie coupée en deux qui permet la reconnaissance de l'un et de l'autre, comme dans les films. Or, on parle de symbole, mais lorsque vous apportez un symbole, il faut que l'autre apporte quelque chose aussi. Or, il n'y a pas. Donner la parole, c'est aussi la recevoir. C'est créer la parole commune. Or, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas donné les éléments de langage, les données, on va dire, lexicales et autres, qui permettent la rencontre. Vous savez, je suis désolé, moi, en tant qu'ancien prof de philo, je suis absolument désolé de voir que les jeunes n'ont plus aucun vocabulaire. Alors, ne parlons pas de l'orthographe, mais si vous voulez, l'orthographe, c'est quand même une structure de pensée. Ça s'inscrit dans l'histoire. Et tout ça, c'était abandonné, mais complètement abandonné. Et ça, c'est l'erreur fondamentale. Donc, il faut retrouver du social réel, du politique dans ces quartiers, et ne pas se gausser dans les médias de discours politiques et ne rien faire. Parce que la présence, rien ne remplace la présence physique réelle. Voilà, merci. Je proposais juste de donner rapidement la parole peut-être à Fabien Truong qui est avec nous, et ensuite je laisserai la question devant. Oui, vous m'entendez? Oui, ou alors on peut prendre. Fabien, oui, c'est vrai, on propose de prendre plusieurs questions d'abord. Je vais en prendre deux, trois, mais voilà. C'est parce que je suis obligé de désinfecter à chaque fois. Oui, c'est bon. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, Ossof Sibi, je viens d'Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis.
Donc je suis conseiller municipal et avant... On essaye de faire juste pour tout le monde assez rapide parce que sinon on n'aura pas le temps de faire tourner la parole. Voilà, je le dis. Okay. Je vais essayer d'être court dans mon intervention. Donc je disais que Oussouf Sibi, je viens dans le Nessouban en Seine-Saint-Denis. Donc je suis conseiller municipal de cette commune et avant j'étais pendant de longues années conseiller de quartier et conseiller citoyen. Et moi je voulais rebondir sur, à la fois sur le titre et sur les interventions qu'il y a eu précédemment. Je pense qu'avant de pouvoir vous leur donner un avenir aux jeunes, c'est plutôt leur donner un présent. Et leur donner un présent, c'est avant tout changer l'image que les jeunes renvoient sur la société et l'image que la société a sur ces jeunes. Parce qu'on voit dans les différents quartiers ou territoires populaires, il y a une multitude d'actions qui se manifestent, qui se font, qui se mettent en œuvre. On l'a vu notamment durant le Covid, hein, toute cette solidarité, générosité qui a pu être en abondance. Mais malheureusement, lorsqu'on dit donner la parole aux jeunes ou plus largement aux habitants des quartiers, souvent on ne donne pas aux bonnes personnes, on ne met pas en exergue ce qui permet de donner du sens à l'action quotidienne qui sont faites dans ces quartiers, parce que dans ces quartiers, je viens de la Seine-Saint-Denis, donc il y a des problématiques qui se posent et personne ne les nie. Néanmoins, ces quartiers-là ne sont pas uniquement des problèmes, des faits divers. Et donc je pense que dès lors qu'on aura pris en considération ces éléments-là, on pourra justement permettre à des jeunes qui se sentent moins stigmatisés, moins discriminés. Et donc c'est à travers ce travail-là qui sera fait préalablement qu'on pourra poser les jalons pour que l'avenir des jeunes soit possible et surtout que ce soit les jeunes qui prennent en main leur destinée. Parce que si, notamment dans les médias, on donne la parole à des personnes déjà qui ne sont pas jeunes, qui ne représentent pas les différents quartiers, donc ils n'ont pas cette possibilité de pouvoir se projeter ou alors se donner une perspective qui permettra ce que les quartiers, parce qu'on dit les quartiers, mais on a l'impression qu'on les détache d'autres quartiers du territoire. Et donc je pense qu'il faut redonner sens, faire en sorte que ça soit les quartiers de la France et non des quartiers populaires ou les quartiers oubliés dont on donne souvent cette description. Merci. Je ne vous ai pas oublié, mais j'ai une question qui est arrivée assez vite. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Mahmoud Bourassi de l'association Médiation Nomade, également de Bondy Nord, comme le maître des lieux. Je salue également Fabien Truon. Alors moi, ma question, c'était sur... on sait que les quartiers populaires, les territoires populaires ont subi des transformations urbaines importantes. Les quartiers se sont complètement métamorphosés. Et je m'interroge aujourd'hui sur le rapport qu'ont les jeunes avec leur propre territoire. Parce qu'on sait que les repères ont été aussi bousculés et ça a beaucoup perturbé l'usage à l'espace public, l'usage à leur territoire. Et plus généralement, la place qu'occupent les jeunes à l'avenir au sein de la société en général. Et ma deuxième question, c'était quelles mesures... aujourd'hui, quand on regarde le chômage de masse dans les quartiers populaires, on sait qu'il est deux à trois fois supérieur à la moyenne nationale. Voilà, on sait qu'il y a des questions de discrimination, c'est l'accès à l'emploi est difficile. Voilà, quelles mesures on pourrait imaginer pour essayer de résorber cette problématique. Voilà, merci. Oui, alors, Fethi Chouder, je viens d'Aubervilliers. J'étais également élu dans cette ville, en charge des politiques jeunesse, justement. Moi, je me demande si, au final, tous les débats qui s'orientent autour des jeunes ne s'orientent pas autour d'un mot qui serait injustice. Injustice, déjà, dans le traitement médiatique. C'est-à-dire qu'on traite toujours des jeunes des quartiers populaires à travers leur déviance, mais jamais à travers leur réussite, jamais à travers leurs accomplissements. Et c'est peut-être ça aussi qui crée la défiance dont notre futur sociologue a parlé tout à l'heure, c'est que déjà, un bon nombre de jeunes des quartiers populaires, des territoires populaires, ont l'impression que les dés sont pipés et que les institutions ont déjà porté un regard et que de toute façon, rien ne changera. Donc ça les inscrit dans une forme de mutisme qui, en effet, est dévastateur pour la suite de leur parcours citoyen, social. Donc de ce côté-là, il y a évidemment beaucoup à dire. L'autre chose, c'est aussi en termes d'action. À chaque campagne électorale, on parle de la jeunesse, on parle
Mais sur le plan institutionnel, les collectivités n'ont pas ni les moyens ni l'obligation de travailler sur ces sujets-là, puisque les politiques jeunesse ne sont pas une compétence obligatoire des communes, par exemple. Donc les communes, évidemment, préfèrent mettre l'argent dans des compétences qui sont obligatoires et sur lesquelles leur responsabilité juridique est engagée, que sur des sujets comme celui-là. Donc est-ce que, sur le plan institutionnel, il n'y a pas aussi un effort à faire de ce côté-là pour que, justement, les politiques jeunesse soient au cœur des politiques publiques, au final? Parce que, à mon sens, il y a un vrai sujet là-dessus, et j'ai été confronté par l'expérience à ces problèmes-là. Merci. Alors, on va d'abord, je vous propose, commencer à faire un tour de table à partir de ces réactions. J'oublie pas, et de toute façon, on va passer de ce côté-là. J'ai vu plusieurs questions, mais pour ne pas en oublier, je vous propose qu'on commence déjà à réagir. Fabien Truong, comment voyez les choses aussi? Je ne sais pas si vous nous entendez bien, si vous avez bien entendu les questions, mais voilà. Oui, bonjour. Alors, vous m'entendez ou pas? Très bien, très bien. Ouais, ok. Bah, bonjour, très content d'être parmi vous à distance. Alors juste pour vous, moi je vous vois, mais je vous vois de dos en fait. Donc je vous entends, mais quand vous posez les questions, je ne sais pas trop. La prochaine fois, il faudra se tourner vers Fabien qui regarde là-bas. Voilà, donc je vous fais coucou. Mais en fait, je suis derrière. Parfait sociologue, je vous espionne comme ça. En faisant discret. Donc, bah oui, enfin, il y a. Comment dire sur ce qui a été dit? Il y aurait bien plein de choses à dire, mais la première chose évidemment, et pour faire court, ce qui a été dit, c'est un petit peu plus d'intervention d'ailleurs, sur la question, on fait un pas vers, en fait, dans toutes les interventions, il y avait cette idée de l'image que les autres ont de soi. Et c'est vrai qu'il y a quand même une grande particularité des plus de ces jeunes, en tout cas l'image de ces jeunes a pu faire ou défaire des élections. Et ça, il faut bien comprendre dans ce du pas vert. Dans la remarque de Mahmoud sur la représentation du territoire, ces jeunes, quand vous êtes un jeune adolescent, vous construisez avec l'idée que vous êtes un problème. Et ça, c'est quand même dans la construction de soi et dans l'appréhension qu'on va avoir du monde extérieur et dans la relation avec ses adultes, c'est quelque chose de très, très important. Il faut bien cette déconstruction entre les adultes et les adolescents, de l'image qu'on pense que l'autre a de soi avant qu'on puisse. Il faut souvent arriver à déconstruire, ce qui n'est vraiment pas facile dans les relations jeunes. Et ça, c'est un premier point, je pense, qu'il faut souligner. Et d'ailleurs, peut-être pour faire le lien avec ce qui est dit sur la différence entre quartier populaire urbain et quartier populaire rural, entre guillemets, puisque la technique là, il y a une différence en fait d'une certaine manière. C'est-à-dire que, je dis ça, moi je suis né j'ai passé mon adolescence dans une petite ville de campagne, dans la Beauce, etc. J'ai vécu ces choses-là. Et je dirais, du côté des territoires populaires urbains, il y a vraiment cette idée qu'on est surreprésenté, un objet de discours, qu'on parle tout le temps de nous, etc. Donc, c'est très étrange. Alors, on parle jamais de nous. Alors, c'est un peu chaud avec les gilets jaunes, mais et du coup, ça construit un petit peu des rapports au monde un peu différents. Mais là où je pense qu'il y a une similitude, et
et j'aurai un dernier truc à dire après pour pas être trop long, c'est que il y a quand même cette idée dans ces territoires que pour s'en sortir dans la vie, il faut quitter de là où on habite. D'une certaine manière, s'en sortir, c'est-à-dire sur la question du rapport au territoire dont parlait Mahmoud tout à l'heure, c'est-à-dire que le rapport au territoire devient très ambivalent, c'est-à-dire que à la fois, il y a un attachement profond, parce que justement, il y a aussi beaucoup de solidarité en fait, quotidienne, locale, etc. Et ça crée une forme d'attachement très, 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 très fort. Et en même temps, il y a cette idée que pour avancer dans la vie, entre guillemets, il faut quitter le territoire parce que c'est un endroit où il y a peu de perspectives, etc. Et ça, ça crée un rapport au territoire très ambivalent et problématique et pas apaisée. Et c'est vrai que dans une présence éducative, essayer de faire tenir ces deux bouts-là, c'est souvent un défi. Et juste un dernier point pour ne pas être trop long, peut-être pour donner un petit éclairage, c'est très important cette dynamique partir-rester, me semble-t-il, parce que on a très souvent cette idée dans les quartiers populaires urbains de territoire ghetto, etc. Et c'est un peu compliqué parce que c'est à la fois juste et à la fois un peu faux. Je voudrais m'expliquer parce que tout à l'heure, il y a un intervenant qui a parlé de croisement, de mélange, etc. Quand on regarde en fait ces quartiers-là, il faut bien comprendre qu'il y a deux dynamiques, c'est-à-dire il y a une dynamique de flux qui est importante en fait. Et quand vous regardez notamment en Seine-Saint-Denis, hein, les statistiques résidentielles, etc., on voit qu'il y a en gros une moitié à peu près de la population qui quitte régulièrement ces quartiers. Donc, c'est-à-dire que ce sont des quartiers où, malgré cette image d'immobilisme, il y a beaucoup finalement de partage d'ailleurs des quartiers. Au centre, d'ailleurs, je pense que la crise du Covid a montré d'une certaine manière, avec toute la thématique des travailleurs essentiels, entre guillemets, à quel point les quartiers, enfin, sans les quartiers périphériques, entre guillemets, le centre ne fonctionne plus. Donc, je veux dire, c'est pas toujours des quartiers qui sont, comment dire, complètement coupé du reste de la société. D'ailleurs, je pense que l'article de Christophe sur la question des livraisons montre très bien que voilà, ces jeunes circulent. Mais il y a aussi beaucoup et c'est ça qui est difficile, c'est-à-dire que très souvent, l'horizon, c'est cette très très importante, c'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont grandi. Tous ces mouvements à la fois sociaux, géographiques, qui sont importants et qui font en fait une grande partie de la France. Et en même temps, la difficulté, c'est que justement ceux qui restent, eh bien, c'est ceux qui n'ont pas réussi à partir. Donc très souvent, ils restent avec de l'amertume, des déceptions. Et en fait, ils sont remplacés, quand il y a des familles qui quittent, ils sont remplacés par d'autres familles qui ont des difficultés sociales, beaucoup moins de moyens économiques. Donc il y a ce mouvement comme ça permanent, mais qui crée de l'immobilisme et de la concentration de pauvreté économique. Et c'est vrai que cette dynamique un petit peu qui est vraiment une dynamique de flux, elle est très souvent masquée derrière cette thématique du ghetto, de l'immobilisme. Et je voulais juste préciser ça. Donc un petit peu long, mais c'était juste peut-être quelques petits éléments d'éclairage. Non, c'était important. Et j'en profite d'ailleurs parce que c'est rigolo, tu parles de ceux qui restent dans les quartiers populaires. Et c'est vrai qu'il y a un livre qui est sorti, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, Benoît Coquart, qui est Ceux qui restent. Alors là, pour le coup, dans une campagne en déclin, mais c'est un peu, on retrouve aussi des éléments dont tu as peu parlé. À part effectivement qu'il y a quelques différences entre cette question d'invisibilité, peut-être, que tu as mentionné. Justement, Benoît Coquart, hein, dans Ceux qui restent, il explique très très bien justement que les jeunes justement de ces campagnes populaires ont vraiment eux l'impression qu'ils n'existent pas pour le centre, pour Paris, pour la ville, etc. C'est-à-dire ils se vivent comme invisibles et donc ils se construisent comme invisibles. Alors que les populaires
populaires ne peuvent pas se construire comme invisibles, parce que vraiment, on parle d'eux tout le temps, à leur place, ça a été dit et redit. Et donc, du coup, se construire contre l'invisibilité et se construire contre la caricature, c'est pas du tout le même. Et je pense que pour le coup, le mouvement des Gilets jaunes, je sais pas, ça c'est un autre débat, je suis sûr que vous aurez des débats là-dessus, il a bien les rapports un petit peu ambivalents de la participation à ces mouvements entre les jeunes ruraux et les jeunes urbains, est assez intéressant de ce point de vue-là. Quoi, mais, effectivement. Voilà. Je vais, merci pour ton éclairage. Je vais laisser la parole à Elsa Faucillon, non seulement pour votre expérience d'élu local, mais aussi parce que tout à l'heure, quelqu'un disait, quand on donne la parole, quand on veut donner la parole aux jeunes, on ne donne pas la parole aux bonnes personnes. On sait par exemple que l'Assemblée nationale n'est pas particulièrement représentative de la société française, que des jeunes des quartiers ou même des territoires populaires, des jeunes tout court, il y en a déjà peu, mais alors des territoires populaires encore moins, de classe populaire sans doute encore moins. Comment vous voyez les choses, et puis je vous laisse éventuellement réagir aussi peut-être à d'autres éléments. Là, ça va mieux, ouais, beaucoup mieux. Bonjour. Je vais parler effectivement plutôt des quartiers populaires que des territoires ruraux. Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je peux conseiller le très beau roman « Leurs enfants après eux » qui, je crois, parle aussi de cette jeunesse plutôt dans des territoires ruraux, de cette invisibilité, de cet ennui aussi qui existe, et puis de ces déplacements toujours extrêmement longs pour pouvoir trouver un équipement, n'importe quel équipement ou un lieu de divertissement, de loisirs. On parle beaucoup du discours à la place des jeunes. C'est une réalité, il faut dire à quel point elle est violente depuis un certain nombre d'années. Je vais parler des époques que je connais le mieux, mais rappelons-nous du discours Sarkozy sur les jeunes des quartiers populaires et de sa violence. On pense de ces déplacements dans des cités qu'il faudrait nettoyer au Karcher. On pense au repérage dans les maternelles de la violence chez les tout-petits. Je laisserai mon collègue Lamy parler de la période Valls, mais je ne peux pas dire qu'elle ait été beaucoup plus brillante de ce point de vue-là. Et on voit dans le discours, on a vu dans le discours d'Emmanuel Macron, qui peut-être comportait pour une part moins de violence vis-à-vis des jeunes, mais qui avait un projet annoncé comme extrêmement libéral pour la jeunesse. On se souvient finalement de cette phrase, celle de rêver d'être millionnaire ou milliardaire, d'ailleurs je sais même plus, mais qui était la promesse des chauffeurs Uber finalement pour les quartiers, qui est aujourd'hui une réalité. Moi j'habite Gennevilliers, j'ai honte mais il faut que je le dise, il m'arrive parfois de commander un Uber, ça m'est arrivé, le nombre de fois où je suis tombée sur un habitant de ma circonscription, c'était extrêmement frappant, et donc le rêve d'être millionnaire, il s'est incarné par ça chez beaucoup, mais il s'incarne surtout par pas grand-chose, un accroissement d'inégalités et toujours une explosion du chômage dans les quartiers populaires. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup, beaucoup à leur place, et ce qui me frappe, parce que avant d'être députée, j'étais élue de mon quartier, le quartier des Grésillons à Gennevilliers. Le quartier des Grésillons, c'est un des premiers quartiers en 1983 qui a été un quartier politique de la ville, avec un autre à Grenoble, je crois, mais il y avait Gennevilliers et il y avait la Villeneuve à Grenoble. C'était les deux quartiers. C'est un quartier donc qui a beaucoup bougé. Je vois les photos de 1983 et ce qu'il y a aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, les quartiers sont réhabilités pour la plupart. Il y a plutôt des beaux immeubles, il y a des espaces verts. Et à chaque fois que je discute avec les anciens, et d'ailleurs, je ne sais pas s'il accepterait que je le traite d'ancien, le responsable du bazar tout à l'heure, mais ce qui me frappe, c'est cette forme de nostalgie sur les valeurs et sur le vivre ensemble dans le passé. Ça me frappe toujours, et j'arrive jamais vraiment véritablement à savoir si c'est une nostalgie idéalisée ou si réellement les valeurs qui s'incarnaient dans... parce qu'il faut savoir que ceux qui habitaient en 83 dans le quartier des Grésillons venaient des cités de transit et des bidonvilles. Donc ils vivaient dans des conditions extrêmement délabrées, dans de la grande pauvreté.
Et ils sont arrivés dans des bâtiments où il y avait des toilettes raccordées, où il y avait des douches. Voilà. Et en permanence, ils me disent « on vivait mieux avant ». Et c'est un truc qui est insupportable pour celles et ceux qui, en politique, pensent qu'il faut mettre des moyens dans l'habitat pour qu'il y ait de la dignité aussi dans ces habitats-là, qu'il faut qu'il y ait des équipements culturels. Et pour une part, je crois, si ce n'est pas complètement idéalisé, c'est voir comment... Enfin, moi, ça me permet de pointer à quel point... bien sûr, je continue de croire qu'il faut mettre des moyens en politique de la ville et dans l'habitat, etc. Mais de voir à quel point aussi ce monde ultra-libéral, ce monde violent, fait de nombreuses discriminations et de grandes injustices, finit aussi par être digéré par nous. Et à quel point chacun finit par tenter de se sauver lui-même, et donc cet individualisme qui est extrêmement présent dans la société, combien il nous touche également. Et pour raccorder au sujet peut-être éducatif, moi il y a quelque chose qui me frappe aujourd'hui, c'est à quel point, y compris les questions d'éducation, deviennent des questions presque uniquement intrafamiliales. Combien on veut que son gamin finalement réussisse, lui donner toutes les chances, quand on le peut, quand on pense la question. Et combien finalement la question dans le quartier des autres enfants, elle est plus très présente. Combien elle s'est individualisée. Je ne sais pas si je suis claire, mais je pourrais y revenir. Peut-être une dernière chose, comme il faut que je sois courte, dans ce que j'avais prévu de vous dire avant les questions. Ce que je crois, c'est que pour une collectivité, pour un État, dans tout projet, si on ne fait pas de la question de l'accompagnement de la jeunesse, des questions éducatives au sens très large, une priorité, je pense qu'on n'y arrive pas. On parlait des discours électoraux sur la jeunesse. Ce qui est vrai, c'est qu'à chaque discours électoral, que ce soit d'un maire ou d'un futur président de la République, la jeunesse vient toujours à un moment comme étant un point fort, et on voit à quel point cette question est finalement oubliée très très rapidement. Je vis dans une commune, c'est pas pour en faire la pub, Gennevilliers, dans laquelle... le mandat précédent s'incarnait avec 7 priorités éducatives, mais comme un moteur pour le reste. Et il faut voir, alors c'est une commune où il y a des gens pauvres, mais c'est une commune qui a des ressources importantes. Et donc, dans le budget communal, ça se voit. Et enfin, on ne peut pas faire avec des miettes une politique éducative, une politique de la jeunesse. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas raconter que c'est parce que on va mettre un stade là, un équipement là. Tout ça, ensuite, il faut que ça vive, il faut que ce soit évalué. Ce n'est pas parce que vous foutez un cinéma dans un quartier que les jeunes vont se précipiter au cinéma. Voilà. Il faut des politiques éducatives autour, il faut du lien. Il faut qu'il y ait des déplacements aussi, parce qu'on dit les jeunes, ils ont envie de quitter le quartier pour faire beaucoup d'interventions dans les écoles. Je vois encore, dans une autre ville de ma circonscription, à Villeneuve-la-Garenne, on a fait une visite il y a quelques temps à l'Assemblée. Il y avait des jeunes qui n'avaient pas encore pris le métro pour aller à Paris, quoi. Et ça existe encore aujourd'hui dans une ville qui est quasiment collée à Paris. Et donc, elle a découvert Invalide. Donc, vous imaginez le changement entre Villeneuve-la-Garenne et Invalide pour arriver. Mais ça existe encore fortement. Et donc, si on ne met pas les moyens, alors il ne suffit pas de mettre l'argent, il faut que ce soit intelligent ce qui est fait, évidemment. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas se raconter d'histoire là-dessus. Il faut des équipements, mais il faut aussi faire de la rencontre avec ces équipements. Et il faut des pratiques aussi culturelles, sportives. C'est beaucoup tourné vers le sport, souvent d'ailleurs dans les quartiers, et c'est bien. Mais il y a aussi des pratiques culturelles à faire. Et donc, il faut que ce soit une priorité dans les programmes. Et pour finir, je pense que ce n'est plus assez une priorité aujourd'hui, y compris dans les programmes de la gauche. Là, c'est pour renvoyer à ma famille politique au sens large. Je pense que ce n'est plus un sujet. Ça a été très longtemps un sujet prioritaire. Je le dis par exemple au PS, qui était un parti politique composé beaucoup d'ailleurs par des enseignants. Et donc on voyait combien c'était un sujet extrêmement récurrent et combien aujourd'hui dans nos partis politiques à gauche, c'est extrêmement peu abordé comme étant au cœur d'un projet d'émancipation, alors que je pense que ça devrait en être la base. Bon, merci, bonjour à vous tous.
Bon, on pourrait en parler des heures, les uns et les autres, donc je vais tâcher d'être le plus bref possible pour qu'on puisse dialoguer et de revenir peut-être sur quelques interventions. En sachant que dans ma présentation, vous avez dit que j'avais été député, ministre de la Ville, j'ai été aussi enseignant, entre autres dans le quartier que Fabien Truong doit connaître à la Grande Borne, à Grigny. C'est là que j'ai démarré mon métier d'instituteur et j'ai été maire d'une commune de la banlieue parisienne qui n'est pas une commune, c'est la ville de Palaiseau, qui n'est pas citée comme étant une ville difficile, même s'il y avait 28% de logements sociaux. Je vais revenir là-dessus parce que dans ce qui a été dit depuis ce matin, quand on parle du plus large pour essayer de répondre plus globalement à la problématique des quartiers populaires, je crois que ce qu'a dit Fabien Truong est très très important. Le problème des quartiers populaires actuellement, c'est que ça bouge beaucoup, il s'est fait beaucoup de choses. Bon, mais quand on prend la photographie aujourd'hui d'un quartier et qu'on prend la photographie sociale d'il y a 10 ans, c'est la même. Sauf que, comme le disait Fabien Truong, il y a 50% de la population qui est partie. Bon. 50% de personnes qui sont arrivées avec, elles aussi, des problématiques sociales très, très difficiles. Et les 50% qui sont effectivement restés avec... On parle beaucoup des jeunes dans les quartiers, on fait bien d'en parler. Bon, il y a un sujet qui va monter assez fort, c'est les anciens et les seniors dans les quartiers. Parce qu'eux, ils sont là depuis longtemps. Bon, c'est pas du tout, il n'y a aucune politique publique de mise en œuvre pour ces citoyens-là. Et c'est une problématique qui va monter de manière très très forte dans l'ensemble du pays. Bon. Une fois que j'ai dit ça, je pense que ce qui a été dit tout à l'heure par notre ami philosophe est très important parce que c'est le cœur du problème, y compris à gauche, dans le débat à gauche. Parce qu'il y a un débat qui ressort, c'est est-ce que ces quartiers doivent rester des quartiers populaires ? Ce qu'on appelle, certains même d'ailleurs des sociologues, on dit des quartiers sas, dans lesquels on va et ensuite on s'en va. Voilà. Bon. Et où est-ce qu'on fait le choix de la mixité ? Bon. Moi, j'ai tendance à penser que la clé général, après on va parler un peu des politiques plus précises qu'il faut mettre en œuvre, la clé c'est la mixité sociale. Et quand je vous citais la ville dont j'ai été le maire, s'il n'y avait pas de difficulté, c'est parce que la mixité était partout. La mixité était urbaine, c'est-à-dire qu'on passait d'une cité de 300 logements à du pavillon, à du petit institut, à l'école. C'est le lieu principal de la mixité. Il y avait un brassage total. Il n'y avait pas des écoles des quartiers populaires et des écoles des quartiers plus favorisés. Il y avait des écoles qui étaient d'ailleurs en dehors des cités de la ville, bon, et où se pratiquait le brassage. Et donc, une volonté des uns et des autres de se tirer vers le haut, d'avoir... voilà. Et je pense que c'est un débat qu'il faut qu'on relance à gauche, parce qu'il y a toujours la tentation de se dire ben, finalement, ça a toujours été comme ça. Et vous avez un débat, par exemple, urbain, sur les questions de gentrification. Où on vous dit tout d'un coup, quand on veut mettre de la classe moyenne dans les quartiers populaires, on gentrifie et on chasse les classes moyennes, les classes populaires. Bon, voilà. C'est un débat qu'il faut qu'on ait. Parce qu'effectivement, si vous ne faites pas venir de classe moyenne dans un quartier populaire, eh bien, vous assistez à un quartier qui est forcément tiré vers le bas. Voilà. Une fois, je pense que tout ça mériterait à chaque fois un débat de 3 heures. Mais je pense que ces principes-là doivent être révélés. Bon. À partir de là, pour essayer de répondre un peu à la question sur les jeunes et sur l'emploi. Hein, d'abord, il y a quelque chose qu'il faut rappeler aussi, c'est que ça doit être une politique nationale. Je dis ça, c'est parce que ça fait 3 ans maintenant que la politique de la ville, ça a toujours été imparfait suivant les gouvernements, mais il y a une réalité des choses, c'est que depuis 3 ans, il n'y en a plus du tout. Et que voilà, on essaye, y compris en disant il n'y a plus que des territoires populaires. Moi, je suis pour qu'on tienne en compte, bien entendu, tienne compte des quartiers en difficulté dans les territoires ruraux, des populations, des concentrations de pauvreté telles qu'elles existent. Enfin, il y a une réalité quand même urbaine qui n'est pas d'ailleurs que la région parisienne. Voilà, il y a des quartiers ici à Nevers, dans des communes plus petites, dont on parle moins, dans le sud, il y a des quartiers en très très grande difficulté. Moi, j'ai été à Nîmes il y a quelques semaines. On n'imagine pas la situation dans 3 des quartiers de Nîmes, parce que là, pour le coup, ils sont totalement écartés du reste de la ville. Bon. Donc, il faut qu'il y ait une politique nationale, voilà, qui se décline après localement. Et qui ne peut pas être uniquement du ressort des élus. Moi, je pense que
Si on doit mettre la priorité actuellement, et on revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur avant, comme pourquoi ça se passait mieux, bah avant ça se passait mieux parce qu'il y avait pas parce qu'uniquement il y avait le Parti communiste. Bon, mais un peu. Mais non, mais je veux dire, ça participait de la vie du quartier, c'est-à-dire qu'il y avait un monde associatif, il y avait les instituteurs. Les instituteurs, bah, ils habitaient le quartier parce qu'ils avaient des logements de fonction au-dessus des écoles. Bon, voilà, tout ça participait. Et donc les gamins qu'ils avaient dans la semaine à l'école, ils les voyaient aussi le mercredi, enfin le jeudi à l'époque d'ailleurs, et ils les rencontraient le week-end et ainsi de suite. Tout ça participait de la vie. Et moi, je pense qu'il faut mettre le paquet sur le soutien au monde associatif, qui a ce plein de choses qui se font. Effectivement, on l'a vu pendant le Covid, mais il y a plein d'endroits où il n'y a plus rien. Bon. Et quand je dis ça, c'est à la fois des moyens financiers qu'il faut mettre et des moyens humains. Voilà. Moi, je crois beaucoup, il y a un dispositif qui existe, s'il faut faire une proposition, qui s'appelle les adultes relais, qui sont des adultes employés dans le monde associatif. Voilà. Moi, je suis, il y en a à peu près 4500 dans toute la France. Moi, je suis pour qu'on en recrute entre 15, 20, 25 000, parce que ce sont d'abord des gens des quartiers. Bon. Et qui seront à même, eux, de s'ils sont payés par l'État, en plus de délivrer, voilà, de délivrer des messages, d'entendre, de rappeler aux pouvoirs publics locaux ce qu'ils vivent sur le terrain. Et on pourrait leur filer, entre autres, une tâche, qui serait celle de détecter les décrocheurs. Bon. Parce que le point de départ, effectivement, c'est l'école. Voilà, si ça ne marche pas à cet endroit-là, bon, moi, j'ai deux propositions très concrètes que j'avais faites, que je n'ai pas pu mettre en œuvre, parce que je ne suis pas resté assez longtemps, mais et puis parce qu'à l'époque, on ne comptait pas en milliards, on comptait en millions. Hein, quand on était, dès qu'on dépensait un million, on nous disait ouais, c'est énorme. Bon. Et puis parce qu'on ne pouvait pas tout faire à la fois. Mais moi, je crois que cette question d'avoir des moyens financiers qui permettent d'engager ces adultes relais, bon, et. D'appuyer, il y a un très très bon dispositif aussi, mais le problème c'est qu'en politique de la ville, on expérimente beaucoup et on généralise jamais. Bon, ça s'appelle le soutien scolaire, bon, la réussite scolaire plutôt, qui n'est justement pas que du soutien scolaire, qui est l'accompagnement individualisé d'un enfant dans le primaire, à la fois sur sa réussite scolaire, mais aussi sur, des fois, ses problèmes de santé, ses problèmes de relations avec les parents, et ainsi de suite. Je pense qu'il faut développer au maximum ce dispositif et qu'il faut mieux encore, il faut le mettre en place au niveau du collège. Voilà, parce que c'est là qu'est la clé. À un moment où tout d'un coup, les jeunes quittent le cursus et tout d'un coup se perdent dans la nature. Et, voilà. Donc voilà, assez. Moi, je pourrais en parler des heures, mais la mixité et l'école. Voilà, ça serait pour moi, c'est la clé. Les deux clés permettant une évolution qui permettent aux quartiers eux-mêmes d'évoluer par eux-mêmes. Voilà. Et de tenir compte, surtout parce qu'il n'y a pas un quartier qui ressemble à un autre, de tenir compte des spécificités locales et bien entendu de chaque individu. Très bien, amis, je vais devoir vous arrêter parce que malheureusement le temps tourne vite. Et je vais passer la parole pour une autre série de questions. Il y avait des gens qui posaient des questions qui levaient la main depuis tout à l'heure. Il y avait la dame ici, je ne sais plus s'il y en avait d'autres derrière, peut-être bien. Donc je vais faire passer le micro une nouvelle fois. Et puis là, François Lamy a commencé à le faire. Il nous reste une demi-heure. C'est aussi l'occasion peut-être d'arriver soit sur des propositions concrètes ou des propositions d'ailleurs plus ou moins détaillées ou des idées, des pistes qu'on puisse discuter. Donc voilà, je vais relaisser la parole à la salle. Une seconde. Moi, je vais rebondir exactement sur ce que vous venez de dire, en gros, tous les deux. Moi, j'ai été directrice jusqu'à cette année, d'une grosse école, REP, d'une petite ville de province, Romans-sur-Isère, où il y a aussi un quartier politique de la ville, etc., etc. Et moi, je voulais juste attirer l'attention sur le fait qu'on parle toujours de l'avenir des jeunes, mais pour moi, maintenant, après toute une carrière éducation nationale, et avant, j'étais éducatrice en prévention, je me dis qu'il faut prendre les choses vraiment en amont. C'est-à-dire que pour moi, c'est les enfants de 8-12 ans dont il faut commencer d'abord à s'occuper, parce que l'ennui dont parlait le monsieur, il se construit après. Effectivement, comme disait madame, des équipements, il y en a plein, alors au moins, il y a plein de choses. Simplement, ces enfants, ils n'y ont pas accès, parce que on ne les a jamais accompagnés vers là. Et moi, je pense que si tous les gens ils ont l'impression que c'était mieux avant, c'est qu'il y avait effectivement les patronages, l'EPC, il y avait les curés, il y avait les pasteurs, il y avait des louveteaux, des éclairs, j'en sais rien, plein de choses.
avec les enfants, expérimenter des choses réellement, vivre des choses ensemble. Et comme vous dites, dans un lieu, dans des lieux relativement mixtes. Et alors que les enfants d'aujourd'hui, ben, pendant deux mois, là, à Romont, bon, moi j'habite en plus dans le quartier où je suis enseignante, donc je vois bien les enfants grandir, je discute avec eux quand ils ont 18 ans, c'est qu'effectivement, ils passent deux mois à rien faire, à s'ennuyer. Et à part maintenant les jeux vidéo, il n'y a rien, quoi. Leurs parents n'ont pas de voiture, ils ne partent jamais. Voilà, voilà, partir, faire un camp dans la nature, ce n'est pas forcément cher, une semaine. Voilà, et ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'on s'occupe toujours trop, et j'en ai beaucoup discuté avec les éducateurs de prévention encore récemment, toujours à 16 ans, à 18 ans, ou même à 15 ans, mais c'est avant qu'il faut vraiment apprendre aux enfants à être ensemble, à vivre ensemble. Et toute la, le fait que les jeunes se retrouvent maintenant de plus en plus dans des trucs identitaires, ça se construit après, parce que les enfants en primaire, ils n'en ont rien à faire de la couleur de leur peau, ils sont vraiment capables de, d'être amis avec tout le monde. Et je pense que c'est vraiment là qu'il faut mettre le paquet, quoi. Merci, je crois que vous leviez la main aussi derrière. Juste une remarque, juste au niveau du langage, ce n'est pas, à mon avis, du tout aux gens qui ont peu de vocabulaire d'acquérir ce vocabulaire, pas du tout, que ce soit les petits ou les grands, mais par contre, c'est à nous tous de parler un langage simple, et au lieu d'analyser de donner des propositions. Merci pour les propositions qui ont été données. Merci. Il y avait une question ici. Merci, bonjour à tous et à tous. Moi, je suis Mathias Goldberg, je suis tout juste élu de Seine-Saint-Denis aux dernières élections municipales. Je m'occupe de la lutte contre les discriminations et notamment la participation citoyenne et l'accès aux droits. Et j'habite dans un quartier populaire où depuis deux ans, il y a déjà eu quatre jeunes qui ont été tués de rivalité entre bandes. Et on entend beaucoup depuis tout à l'heure l'ennui des jeunes le soir. À 18h dans le quartier, il n'y a plus rien. À 18h dans le quartier, à part le grec qui est ouvert, il n'y a plus rien. Il y a le stade de foot et c'est tout. Donc je pense qu'il faut aussi repenser ça et repenser aussi, on parle de l'ennui des jeunes et cet ennui, il est palpable. Quand on parle des jeunes, ils ne savent pas quoi faire. Et on entend aussi, on a beaucoup entendu tout à l'heure, le fait qu'il y avait deux mondes. Il y a vraiment deux mondes. Il y a deux mondes au sein des villes, entre les centres-villes et les banlieues, mais aussi entre la Seine-Saint-Denis et Paris. Beaucoup ne sont jamais allés à Paris, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc il y a cette fracture physique, mais il y a aussi une fracture aussi mentale. Dans la tête des jeunes des quartiers populaires, il n'y a pas de modèle, ou les seuls modèles qu'il y a, c'est aujourd'hui Kylian Mbappé, qui est aujourd'hui le grand footballeur. Les modèles de réussite sont peu présents et les trajectoires de réussite sont aussi peu présentes. Et je pense qu'on a beaucoup entendu de solutions sur la mixité sociale, sur laisser la parole aux jeunes, donner la parole aux jeunes, leur permettre de s'exprimer, investir dans l'éducation, bien sûr. Mais je suis totalement d'accord, à l'approche de 2022, on n'entend pas assez cette voix dans les partis politiques de gauche et écologistes sur comment prendre en compte cette parole des jeunes, notamment des quartiers populaires, comment leur redonner envie de s'engager, envie de participer à la vie publique et leur redonner espoir parce que aujourd'hui c'est complètement absent du débat. Voilà. Merci pour cette intervention. Il y en a une autre ici. Bonjour, je suis Charlotte Manon, je viens de Seine-Saint-Denis, je suis là par le biais de l'association Nomade, donc je suis une jeune issue de quartier populaire. Et je prends la parole, je vais essayer de faire très vite parce que du coup j'ai écouté tout et je voulais rebondir un petit peu vis-à-vis de tout ce qui a été dit. Excusez-moi parce que j'ai du mal à respirer à cause du masque. Et en fait... D'accord. Et du coup, en fait, par rapport au fait qu'on dit que oui, même vis-à-vis du travail,
j'avais déjà pris la parole dans une autre assemblée vis-à-vis de ça, c'est qu'on dit oui pour faut partir, sauf que quand on part, malgré tout, on nous rappelle d'où on vient. C'est que si on dit ah mais tu viens d'où, bah je viens de là, bah ça marche pas. Donc je sais pas comment ça se passe pour les gens de quartiers ruraux, mais en final, même en venant là, parce que quand on arrive forcément de la campagne, je vais dire ça plutôt que quartier ruraux, c'est que on va pas forcément aller directement sur Paris, parce que c'est quand même des endroits qui sont très aisés, où il faut avoir quand même pas mal de moyens. Donc la plupart du temps, ils se retrouvent aussi dans la couronne à côté, dans les banlieues. Donc même eux, au final, ils sont partis pour se retrouver prisonniers de quelque chose. Donc c'est pour ça que dans ce sens-là, les solutions, j'avoue que c'était surtout pour donner mon avis, et par rapport aux solutions pour captiver les jeunes, par rapport à tout ça, il y en a. Tout à l'heure, vous parliez d'arrêt de bus où les jeunes se retrouvaient dans les quartiers ruraux. Bah, faut mettre des affiches alors à la rigueur. Moi, personnellement, c'est une solution que je pose parce que je regarde souvent ce genre de choses. Donc, si c'est quelque chose qui captive les jeunes, il faudrait en mettre là. Je sais que moi, je suis plus centrée sur les réseaux sociaux. Donc, moi, c'est plus là que je vais être captivée. Mais il y a des maisons de quartier où je m'arrête assez souvent pour voir les actualités. Ou même dans les écoles, forcément, quand on rentre dans son école, la première chose qu'on voit, bah, c'est ça. Donc, faut cibler dans les endroits où vraiment les jeunes se trouvent. C'est pas tellement compliqué, au final, de captiver une personne. Enfin, moi, quand je dis une personne, je parle surtout des jeunes. Donc, en soi, moi, c'est une solution que je propose au niveau de... pour que les jeunes puissent avoir accès, parce que même je trouve ça dommage que là on parle au niveau des quartiers populaires, c'est vrai que les quartiers populaires sont plus faits de jeunes, sans qu'il y en ait forcément qui prennent la parole. Moi j'ai eu la chance de pouvoir venir, mais il y a beaucoup de jeunes, je pense, qui n'ont pas forcément cette chance et qui ne savaient même pas que ça existait, qu'on pourrait prendre la parole pour donner notre avis. Donc maintenant je vois aussi qu'on parle beaucoup par rapport le fait de partir des quartiers populaires, là pas forcément de... par rapport au travail, mais on parle pas de ceux qui veulent y rester aussi. C'est que pour moi c'est trop flou de dire oui, mais il y en a qui partent parce que c'est mieux de partir. En soi, non, pas forcément, parce que déjà, comme j'ai dit, vis-à-vis du travail, souvent il y a un frein. Et maintenant, moi, mon père, il est parti et il est pas plus heureux, et au contraire, il va tout le temps là où il a grandi. Donc bah après, c'est aussi ce qu'on disait par rapport à la nostalgie. C'est que je pense que le fait de dire c'était mieux avant, bah c'était toujours mieux avant, alors qu'avant, ça, c'était pas forcément mieux. Mais tout le monde va parler et idéaliser la chose, comme mon père idéalise là où il a grandi, alors qu'il ne vivait pas forcément bien à l'époque, et c'est pour ça qu'il est parti. Et au final, c'est ça, ça revient à ce sujet. Et je voulais aussi parler, pour éviter de prendre trop longtemps la parole, c'est vrai qu'on parle beaucoup des jeunes en échec, des jeunes qui sont en difficulté, sauf qu'on ne parle pas des jeunes qui sont des étoiles montantes. D'accord qu'il y a Mbappé, mais il y a tellement de personnes qui ont réussi par leur intellect et qui viennent de Seine-Saint-Denis ou peu importe, de tout ce qui est les banlieues, les territoires populaires. Mais ça, on n'en parle pas, alors qu'il y en a tellement. Et non, ils sont cachés. Et par contre, ceux qui viennent d'ailleurs, ah bah, eux, on va leur donner la parole. Parce que nous, d'une certaine manière, c'est comme si on nous muselait, alors que non. Comme le fait de dire qu'on n'a pas de vocabulaire. Certes, on n'a pas forcément le meilleur des vocabulaires, mais moi, mon vocabulaire simple, pourtant, je le tiens de mon père, et mon vocabulaire sophistiqué, bah, c'est moi-même qui l'ai appris. Donc ça ne veut pas dire forcément que les anciens ont la réponse à tout. C'est qu'on ne nous laisse pas forcément le droit de nous exprimer. Et quand on s'exprime, ça peut être quelque chose de très beau. Donc moi, je pense que c'est un peu... catégoriser des jeunes, même en tant qu'ancien, c'est catégoriser des jeunes. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, je vous propose d'aller vraiment assez rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps et je voudrais pouvoir écouter tout le monde. Juste, je pense que la question de parler de jeunes, toujours, c'est aussi compliqué. Parce qu'on a beaucoup d'organisations de jeunesse qui existent, qui représentent plutôt les villes et les quartiers aisés. Et souvent, dans le politique, on a du mal à comprendre quels sont les types d'organisations qui fonctionnent chez les jeunes. C'est-à-dire qu'on ne repère pas, parce qu'il n'y a pas de jeunesse de parti, il n'y a pas de syndicats étudiants, lycéens, où des gens s'engagent. Donc je pense qu'il faut qu'on se questionne sur comment, nous, du côté politique ou du côté associatif, on arrive à comprendre ces formes d'organisation et à les prendre en compte dans des organismes, dans des assemblées. Ça, je pense que c'est quelque chose... d'assez important, et peut-être que ça nous permettra
de changer notre point de vue qui aujourd'hui est centré sur de l'équipement. C'est-à-dire quand on parle de questions de jeunesse, on va parler de skatepark, de stade de foot, peut-être parfois de théâtre ou d'arrêt de bus. Mais à quel moment est-ce qu'on parle du politique ? Moi, je pense que, justement, un des cœurs, c'est de se dire, on n'est pas juste là pour équiper, on n'est pas juste là pour construire des terrains de jeu, et la question de la jeunesse et les jeunes, là où ils veulent se mobiliser, ce n'est pas juste pour faire du foot. Mais c'est aussi pour offrir un sens politique à leur société, à notre société. Et ça, je pense que c'est très important qu'on se questionne sur de quelle façon on reconstitue des espaces politiques d'expression populaire et d'expression populaire de la jeunesse, notamment. Et je pense que là, on a un long chemin à faire et que c'est toujours pas gagné, mais que ça pourrait être l'une des solutions d'émancipation dans les quartiers populaires et aussi sur les questions jeunesse, que ce soit tant dans les quartiers populaires qu'à la campagne. Merci pour ta question. Alors, on a une question qui est plus loin. Ok, bon bah, très bien. Oui, bonjour, Jean Lajournal, je suis directeur d'une mission locale dans un département ô combien rural, et puis j'ai pris votre débat en cours, donc je ne sais pas si vous en avez parlé, mais je n'ai pas entendu parler du rôle des missions locales dans votre émission. Je trouve que c'est dommage qu'on n'invite pas les missions locales sur un tel débat. Dans ce que j'ai entendu, notamment dans la dernière intervention, lorsque vous parlez du problème de mobilité des jeunes, je crois qu'on l'a... Vous l'avez en quartier urbain, mais chez nous, ô combien. Et je trouve que les questions sont souvent les mêmes et qu'on a peut-être tort de les traiter aussi différemment. Je vois chez nous, les missions locales existent depuis maintenant 40 ans et on est sur l'ensemble du territoire. Et une de ses forces, c'est d'être en effet sur un maillage territorial important. Question mobilité. On parle de mobilité physique. Chez nous, c'est très compliqué. Peu de transports en commun. Lorsque vous n'avez pas le permis de conduire, ça devient très difficile. Mais on oublie aussi souvent la mobilité psychologique. C'est-à-dire que le fait de vouloir ou d'accepter de se rendre d'un lieu à un autre, c'est pas évident. Je vois en Ariège, lorsqu'on demande aux jeunes aujourd'hui jusqu'où ils sont prêts à aller chercher un emploi, ça dépasse pas le cadre du canton. Alors dans ces cas-là, on cherche une formation qui correspond, le jeune cherche une formation qui correspond au poste qu'il peut trouver dans son quartier ou dans son village ou dans son canton, mais peu plus loin. Et on a développé une action qui permet, nous, de prendre des jeunes en leur disant pour rester sur ton territoire, la meilleure chose, c'est d'être capable d'en partir pour pouvoir en revenir. Et on a envoyé cette année une cinquantaine de jeunes, malgré le Covid, donc il a fallu arrêter l'opération en cours de route, mais d'abord à l'étranger, 5 semaines, ils partaient 4 semaines stage en entreprise dans le domaine qu'ils recherchaient, 1 semaine découverte du pays, et ils revenaient. C'était très dur de les faire partir au départ, fallait un peu les pousser, mais le retour, eh bien, ils étaient complètement transformés. Donc ces histoires de mobilité sont des questions qui sont déjà de mobilité, d'accès à la culture. Ils sont déjà pris en compte par des structures qui existent et je pense qu'il faudrait, au lieu de réinventer des choses qui existent déjà, peut-être, lorsqu'on est élu, aider ces structures à pouvoir développer ces programmes. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire et je trouve votre débat très intéressant. Alors, je l'ai pris en cours de route parce que je l'ai appris, je l'ai appris un peu au hasard, mais très intéressant, je vous en remercie. Merci beaucoup pour cette intervention. Je suis désolé, je sais qu'il y avait d'autres questions, mais on n'aura pas le temps de les prendre parce que malheureusement, on va manquer de temps. Et je voudrais vraiment avoir la réaction de tous nos intervenants sur, à la fois sur la proposition de François Lamy, sur les questions aussi ou les remarques qu'il y a pu avoir. Je ne sais pas si Christopher, Fabien ou Elsa, vous avez aussi des propositions à formuler au débat public. Je sais que les organisateurs du débat du Festival des Idées, pardon, en avaient une. Je vais vous la donner, par exemple. Pour stabiliser les équipes éducatives dans les quartiers notamment politiques de la ville, avec l'idée de, par exemple, accorder l'agrégation au bout d'un certain nombre d'années, quand vous avez votre CAPES, évidemment, passer sur un territoire, est-ce que voilà, ça permettrait de stabiliser peut-être la communauté éducative. C'était une des propositions qui était formulée. Elle n'est pas forcément bonne, hein, on peut aussi, elle peut aussi être évidemment critiquée.
Il y avait aussi une proposition beaucoup plus large, beaucoup plus large, mais qui était plutôt une piste de réflexion, qui était de la même manière qu'avec aujourd'hui le dispositif territoire zéro chômeur de longue durée, peut-être que certains d'entre vous en ont parlé, avec l'idée voilà, d'un droit au travail. Est-ce que on peut pas aussi faire un droit à la formation où chaque jeune ressortirait avec effectivement une formation soit académique soit technique, mais qui soit en adéquation avec des emplois proposés dans son bassin d'emploi. Voilà, bon là c'est peut-être plus compliqué à rendre concret comme proposition, mais voilà, s'il y en a d'autres aussi des propositions, éventuellement on pourra peut-être donner très rapidement la parole à la salle, mais pour l'instant je voudrais entendre chacun de nos intervenants, sachant qu'il nous reste assez peu de temps malheureusement, donc de façon assez rapide. Je ne sais pas qui... Peut-être Fabien, je ne sais pas si tu nous entends là, ça fonctionne ? Je te prends peut-être un peu au dépourvu, mais si tu peux réagir à tout ça. La question du rôle de l'erreur dans la pédagogie, dans les rapports interindividuels, c'est-à-dire que on a quand même une école française qui, pour le dire très vite, où l'erreur c'est une sanction, l'erreur c'est ce qui te permet d'avoir une mauvaise note, ce sont des verdicts, et ça c'est un vrai problème. Et dans les relations pédagogiques qui inversent les choses, c'est-à-dire où en fait on fait pas de l'erreur un problème, une sanction, mais le point de départ, en fait, pour pouvoir construire quelque chose, c'est-à-dire de percevoir l'erreur finalement comme une chance et comme quelque chose de tout à fait normal et comme le point de départ d'une relation d'apprentissage, et ben là, on peut faire un pas vers l'autre. Là, il y a du dialogue qui s'établit et là, on peut faire avancer des jeunes. Et c'est vrai que notre école, elle n'est pas très armée et pensée pour ça, quelque chose possible. Puis aussi l'idée de l'école sanctuaire, c'est-à-dire que quand même il y a cette idée aussi dans notre philosophie éducative que l'école doit être coupée en fait du monde social, que c'est par cette neutralité entre guillemets qu'elle peut aider les élèves, etc. Et ça, c'est une vraie erreur dans les quartiers populaires. Comme ça en plein cœur du quartier, mais qui sont coupés en fait. Sociale des élèves, par exemple la coupure entre les enseignants et les éducateurs, normalement c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement problématique. Et pour qu'un jeune puisse se construire dans des regards différents, contradictoires d'adultes, et donc se décentrer, tout ce qui a été dit sur le voyage, etc., c'est cette question de pouvoir se décentrer en tant que jeune et du coup d'apprendre. Je pense que quand on a une école qui est vraiment coupée de la réalité en fait sociale, déjà qui a du mal à la mission. Il y a plein de pistes très très concrètes, hein, notamment aussi de formation des enseignants, de lier la pratique enseignante avec comment dire le territoire, pour le dire un peu vite, qui sont voilà des pistes. Alors, je suis désolé, je vais m'arrêter là, c'est peut-être un peu, ça a l'air un peu abstrait, mais c'est que je parle de choses très très concrètes et de plein de petites choses qui permettent de faire ce pas vers et d'ouvrir des perspectives. Merci beaucoup, Fabien. Je vais passer la parole peut-être à Elsa. Ouais, très bien. Hop. Elsa Fossillon, vous avez la parole. Merci. Déjà, pour dire que je suis d'accord avec ce que vient de dire Fabien Truong sur des principes qui doivent nous animer dans un projet pour l'école, je vais en ajouter un, mais je crois qu'il est en lien avec ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire qu'il faut, je crois aujourd'hui, être extrêmement vigilant sur le fait que la pensée libérale, je crois, finit par percer les murs de l'école. Et donc, avec une idée, pour éclairer mon propos, peut-être qui va plus vous parler, l'idée, quelque part, que donner un avenir aux jeunes se collerait avec une forme de méritocratie. C'est quelque chose qui me fait extrêmement peur, parce que je crois aussi que, parfois, nous-mêmes, dans les quartiers populaires et dans les politiques que nous menons, peut-être sans le savoir, nous fonctionnons de cette manière-là. Et je crois qu'en tout cas, la philosophie qui doit nous animer pour l'école, c'est évidemment pas de préparer les enfants et les jeunes au monde qui vient.
je crois que ce serait terriblement affreux et que pour une part c'est ce qui se produit aujourd'hui dans l'école, mais bien leur donner les clés pour transformer le monde dans lequel ils vont vivre. Et ça, c'est quelque chose qui, je crois, doit être le cœur. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de la gauche qui les délaisse depuis trop longtemps cette question éducative, mais dans un projet d'émancipation, le cœur, à mon sens, doit être cela, c'est-à-dire faire en sorte que l'école, mais aussi tout ce qui relève du périscolaire, de la culture, du sport, soit animé par ce principe-là. Deuxième chose, dans proposition peut-être un peu plus concrète, tu parlais tout à l'heure de l'agrégation. Moi, il y a une proposition qui est d'ailleurs pas nouvelle, puisqu'elle a déjà été en place il y a de nombreuses années, mais je crois qu'il faut diversifier à tout prix aujourd'hui le profil des enseignants, au-delà du fait de rendre plus attractif le métier. Ça passe aussi par le salaire, disons-le, parce qu'ils font partie des plus mal payés en Europe et que les conditions d'enseignement sont extrêmement difficiles. Donc il faut augmenter leur salaire, mais je crois qu'il faut aussi permettre des profils un peu différents et aussi d'ailleurs que les habitants des quartiers populaires et les jeunes des quartiers populaires puissent se penser comme enseignants futurs. Donc il y a le statut du stagiaire fonctionnaire, du fonctionnaire stagiaire, qui fait qu'on n'en rabaisse pas sur les 5 années d'études qui aujourd'hui paraissent insurmontables pour beaucoup. Donc, plus jeune, un statut de fonctionnaire stagiaire rémunéré, qui fait que on peut penser que, en 2 années d'études, 3 années d'études, on devient fonctionnaire stagiaire et on n'en rabaisse pas sur l'assise disciplinaire, c'est-à-dire le fait, que ces enseignants puissent à la fois se professionnaliser en étant devant des classes, mais pas seul devant des classes pour remplacer un enseignant qui n'est pas là, mais aussi qu'ils puissent avoir le temps de se former. Je dis ça, ne pas en rabattre sur l'exigence, ça vaut pour les enseignants, mais ça vaut aussi, évidemment, pour ce qu'on fait ensuite à l'école. Je crois que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit la dame, c'est-à-dire parler comme je ne sais pas ce que ça veut dire, moi. Je crois que surtout quand on est en quartier populaire, ne jamais en rabattre sur l'exigence, c'est extrêmement important. Il faut pouvoir, évidemment, parler des inégalités, ne pas nier aux jeunes et aux enfants à qui on enseigne ou avec qui on intervient le fait qu'évidemment il y a des injustices, qu'évidemment ils sont plus discriminés, parce que je pense qu'il faut leur permettre de conscientiser les déterminismes sociaux à l'œuvre, etc. Mais qu'il faut aussi prendre soin du fait que c'est pas parce qu'on est en quartier populaire, c'est pas parce qu'il y a des inégalités et des déterminismes sociaux qu'on va en rabaisser sur la qualité des choses qu'on enseigne, qu'on leur donne à voir, etc. Alors quand je dis ça, c'est extrêmement compliqué. J'ai bien conscience que être enseignant en quartier populaire, c'est difficile, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'adultes dans les écoles. J'en reviens là, je pense qu'il faut des adultes. Donc, proposition qui semble extrêmement, quelque part, ambitieuse, vu aujourd'hui ce qui est annoncé, par exemple, et ce qui est totalement absent du plan de relance. Quand vous dites il faut des adultes. Quand vous dites plus adultes, Je dis qu'il faut plus d'adultes dans les écoles, parce qu'il faut des enseignants, mais il faut des psys, voilà. Il faut des médecins, il faut plus de maîtres que de classes, il faut des médiateurs, il faut des adultes relais, pas simplement des profs, mais aussi beaucoup de profs. Il manque 50 000 au moins enseignants aujourd'hui dans le ministère. Et puis dans le plan de relance, moi j'aurais bien aimé voir quelques milliards pour l'éducation populaire, quoi. Voilà, plutôt que de refiler 20 milliards sans contrepartie environnementale et sociale à des entreprises, par exemple. Merci, Elsa Faucillon. On va laisser la parole à François Lamy. Deux choses, une chose générale et puis une chose très concrète sur les propositions, parce que c'est ce que Elsa vient de dire qui m'y fait penser sur comment permettre l'accès à des jeunes des quartiers populaires au métier d'enseignant, et puis ce que disait Fabien Truong sur les pédagogies diversifiées, ainsi de suite. De temps en temps, là c'est l'ancien enseignant qui parle, il faut juste aller jeter un coup d'œil sur ce qui fonctionnait bien avant. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a 40 ans, vous pouviez devenir instituteur. Le recrutement, il se faisait à partir de la troisième.
Voilà. Donc, à partir de la troisième, et donc c'est là qu'on avait effectivement beaucoup de jeunes, de gens des quartiers qui, et de la ruralité, et ainsi de suite, qui devenaient instituteurs parce qu'à la sortie de la terminale, ensuite ils avaient 2 ans de formation, mais ils étaient recrutés 5 ans auparavant. Bon. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, en plus ils avaient le logement de fonction, donc ils habitaient le quartier, et mieux, pendant leur formation, ils étaient payés. Voilà. Bon, ce qui faisait que tout d'un coup, bah, vous aviez les moyens de. Voilà. Il faut peut-être aller chercher là-dessus. Et quand Fabien Truong parlait de la pédagogie dans l'école, il y a un truc qui s'appelle la pédagogie Freinet, qui date de 1920. Voilà, qui mériterait d'être mis au goût du jour parce que c'est une pédagogie qui est à la fois basée sur, effectivement, plus sur la reconnaissance de la réussite que de l'échec et sur la correspondance avec les autres. Bon, donc l'ouverture vers son école et vers les autres écoles et vers le monde entier, ainsi de suite, qui mériterait simplement d'être réactualisée. Et ça me permet de dire une chose, c'est que je pense qu'il faut, je parlais tout à l'heure de mixité sociale, il y a aussi dans la conduite des politiques publiques dans ce pays un problème. Bon, c'est qu'on ne veut pas reconnaître le principe de discrimination positive. Alors, ce n'est pas un beau mot, la discrimination positive, mais ça consiste à dire qu'on va en faire plus pour ceux qui ont eu moins. Bon. Et donc, on va faire plus pour des territoires qui ont sur lesquels on a fait moins. Ah. Il y a très peu de politiques publiques qui sont territorialisées. Il y a le ministère de la Ville. Le ministère de la Ville, il s'occupe de tout. Bon. De sport, de culture, d'économie. Bon. Vous avez là le ministère de l'Éducation nationale qui dit qu'il y a des territoires prioritaires, bon, mais qui ne fait finalement pas grand-chose autre que de donner un peu plus de moyens humains ou un peu plus de moyens financiers, mais qui ne se préoccupe pas de pédagogie, de ce qu'il faut faire de très très concret. Et tout le restant des ministères, moi j'ai été confronté à ça quand j'étais ministre, la difficulté c'est que, par exemple, prenez le ministère du Travail et de l'Emploi, lui, il s'adresse à des publics, pas à des territoires. Et à Pôle emploi, quand on leur posait la question de comment vous faites sur les jeunes des quartiers populaires, et bien ils ne pouvaient même pas identifier, ni dans leur logiciel, ni dans leur façon d'être, le fait qu'il fallait avoir des politiques ciblées, très particulières, vers ces territoires, donc ce qui obligeait à de la proximité. Non, on attendait simplement que le jeune il franchisse la porte de Pôle emploi, qui bien entendu, en général, était plutôt en centre-ville. Voilà. Et donc je pense qu'il faut qu'on travaille sur ces politiques, il faut des politiques nationales là-dessus, mais il faut des politiques qui soient aussi dans ces politiques nationales, qui soient capables d'être différenciées et de pouvoir s'adapter au terrain, que ce soit le terrain rural, comme le disait notre ami de l'Ariège, que ce soit dans un quartier d'une banlieue populaire de la région parisienne ou d'autres métropoles françaises. Quoi. Merci beaucoup François Lamy. On va passer la parole pour terminer cette table ronde. On va terminer un petit peu en retard, mais c'est comme ça. À Christopher Béchereau pour une. Tu as la lourde tâche de faire non seulement la conclusion, la synthèse des propositions et puis tes propres remarques. Alors, donc voilà, j'ai fait l'introduction, je fais aussi la conclusion. Moi, dans tout ça, ce que j'ai vraiment identifié, c'est vraiment 3 pôles. Et voilà, je remercie l'intervention sur Zoom qui m'a rappelé le stage que j'ai fait pendant 6 mois à la mission locale de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc c'est un moment aussi où j'ai pu rencontrer beaucoup de jeunes avec différents profils qui venaient de différents quartiers populaires ou pas forcément populaires. Et moi, j'identifie 3 espaces. Donc c'est les associations, l'école et un espace qui est la société civile. Mais aujourd'hui, moi, j'aime bien rappeler, comme vous avez pu dire, Elsa, c'est le capitalisme. Et je pense qu'il faut pas le libéralisme, il faut pas l'oublier. Et donc dans les assos... les associations, ce qui est vraiment intéressant, c'est la culture et le savoir-être et surtout l'aspect social qu'elles peuvent véhiculer. Et ça, faut justement, comme vous avez pu le dire, faut leur donner les moyens. Et c'est quelque chose qui est un peu oublié. Et en France, on a vraiment tendance à vouloir aller directement vers le work first, comme on dit, c'est les faire travailler avant de les socialiser. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler pour vraiment déjà leur permettre de s'intégrer, comme on peut le voir dans le monde du travail. Si tu as les codes, tu t'intègres.
Si tu n'as pas les codes, c'est beaucoup plus compliqué, effectivement. Ensuite, avec l'école, qui a aussi ce rôle de véhiculer du savoir-être, c'est vraiment, comme l'intervention de madame a pu le dire, à l'école, c'est en amont. Ça peut se faire au collège. C'est vrai qu'au collège, c'est au moment où il y a un très fort décrochage, puisque quand tu arrives en primaire sans savoir faire certains calculs, quand on te met une calculette, bah, tu as tendance à faire des 2 plus 2 hein, sur ta calculette, hein, ça arrive. Hein, et alors qu'on est déjà à des... après, on passera aux intégrales au lycée, etc. Et le train, il est déjà passé. Donc, c'est vraiment travailler sur cet amont, sur les savoir-être. Et pour revenir aussi aux banlieues, c'est faire attention ça a été dit, mais au contrôle face à l'évaluation. Et aujourd'hui, le système français est beaucoup plus dans un contrôle que dans une évaluation. L'évaluation se fait sur le temps et le contrôle se fait à un instant T. Et le contrôle, c'est quelque chose que ces jeunes-là voient au jour le jour avec les contrôles de police. Hein. Et ce contrôle, c'est on les prend à un instant T quand ils sont en train de faire des bêtises. Mais est-ce qu'on les voit dans leur recherche d'emploi? Est-ce qu'on les voit aller faire des CV? Est-ce qu'on les voit chercher à s'intégrer? Ça, on ne les voit pas, mais le policier, il voit le contrôle et c'est ce qu'on voit dans les médias aussi. Donc c'est aussi ça, ce problème qu'il faudrait voir ce qu'il y a à l'extérieur. Enfin, par rapport au capitalisme, moi j'aurais tendance à l'opposer un peu à l'inscrire dans un individualisme. Et cet individualisme, il vient s'opposer avec les valeurs de la République, qui est liberté, égalité, fraternité. Et c'est en fait, c'est une concurrence qui existe aujourd'hui entre ces deux univers, entre l'univers qu'on va voir dans la société, qui est organisé par les grandes multinationales. Hein. C'est Bertrand Schwartz qui le rappelait déjà dans son rapport au moment de la création des missions locales, que justement les jeunes sont beaucoup d'avantages mobilisés par des buts justement de lucratifs que par des buts sociaux. Donc c'est vraiment cette concurrence qu'il faut arriver à identifier en tant qu'acteur public. Et comme on peut le voir avec le rap, la culture du rap, qui vient encore parfois pousser ces jeunes à ne voir qu'une seule réalité. Donc moi, comme solution, ce que je vois vraiment, c'est des stratégies de levée de freins. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans l'insertion sociale. C'est il faut d'abord lever les freins avant d'entamer toute action. Et c'est vraiment le travail le plus dur. Et ça se fait avant tout par la mobilisation. Et même dans le social, on le voit très bien à travers les associations, à travers toute action publique, que le plus compliqué, c'est de mobiliser. Et mobiliser, c'est justement les acteurs associatifs, mais aussi l'école, qui doit faire face à ce système qui est de plus en plus individuel. Et comme on a pu le dire, et j'en reviens aussi à ce que je disais au début. Donc moi, je miserai tout sur la communication. La communication entre les générations, la communication à l'intérieur des générations qui viennent de différents quartiers, de différents lieux, de différents territoires, et justement rajouter cette proximité. Et la proximité, c'est vraiment le cœur. Et la proximité, aujourd'hui, elle se fait à travers le territoire. Donc à travers des actions d'aller vers, mais d'aller vers physiquement, mais aussi d'aller vers sur les supports numériques. Et ça, c'est très très important, parce que même aujourd'hui, pour avoir fait mon stage dans la mission locale, il y en a cette valeur du face-à-face, de vraiment d'aller face-à-face, mais aussi aujourd'hui, les jeunes ne se déplacent plus forcément dans des lieux. Ils sont à travers des supports numériques, et donc il faudrait vraiment... se donner les moyens d'investir ces supports numériques et de les rendre aussi attractifs que des marques comme des grandes marques peuvent le faire hein, à travers des slogans de publicité, mais c'est vraiment pour moi un travail très important. Donc voilà, c'était un peu ce que j'avais à dire pour conclure. Merci beaucoup. Ça marche. Ah si, c'est bon, ça marche. Juste une petite publicité. Si vous souhaitez prolonger cet intéressant débat, nous avons un stand de l'association Médiation Nomade sur le parvis. Donc on vous invite à venir échanger un petit peu dans le prolongement. On peut vous offrir du thé à la menthe. Voilà. Voilà, merci. Merci. Oui. On peut donner des idées pour l'après. Je ne sais pas s'il y a une adresse mail, je ne sais pas s'il y a un moyen de communiquer sur l'idée des propositions, par exemple. Ben, vous venez me voir et puis... Vas-y, très bien. Merci beaucoup, en tout cas, à la fois à la salle, évidemment, et aux intervenants. Merci à Elsa Faucillon, à Christopher Béchereau,
à François Lamy et à Fabien Truong. Merci de votre disponibilité à tous. Merci pour ce débat. Et on termine très en retard, mais bon, c'est comme ça.